dans l'organisation, il y a eu beaucoup d'avancées. Ce n'est pas comme avant. Bon, il y a un seul fait qui est un peu gênant, c'est que la population n'a pas pu accéder aux autorités comme par le passé, quoi. Et c'est ça qui est un peu déplorable, quoi. La population était. Si c'est qu'il y avait la possibilité pour la population de venir massivement, ils seraient sortis massivement. Sinon, on a constaté quand même qu'ils ne sont pas sortis comme cela se doit. Ce à quoi nous assistions par le passé, c'est, à mon avis, hein, c'est un peu plus. Ça met un peu plus la population dans la fête. Et ça, je crois que la population va l'aimer, c'est sûr. Okwilo est bon pour parler dans les rues. E ma je ututu. E no kele mudonyo romo. Leze moyo ukubido. Da i urale mo romo invitation. A moi je mets une invitation maybe. Ou a midoa. Merci d'abord, bonne fête à tous les Béninois. Et que cette fête nous aide vraiment à être indépendants un jour, à prendre conscience et à évoluer. Pour cette fête, je pense que la première chose que j'ai retenue, c'est la ponctualité. La fête a commencé à l'heure et à 11h30, plus ou moins 5 minutes, ça a pris fin. C'est une bonne chose, ça nous aide à continuer nos activités ailleurs. Et aussi l'organisation. L'organisation est vraiment réussie. J'ai vu que les bâches ont été vraiment beaucoup mieux décoré cette année, c'est une bonne chose. Il y a la police ou les militaires, je ne sais pas, ils ont fait des figures, de nouvelles figures. Donc il y a de l'innovation. Ils nous ont fait 58 pour nous montrer que c'est 58 ans d'indépendance. Il y a la police républicaine avec son nouvel uniforme qui est vraiment joli. Je ne sais pas si c'est la parade qui a fait ça, mais c'était joli à voir quand même. Il y a les femmes, les troupes de femmes qui ont défilé, qui ont vraiment été aussi formidables. Notre impression était très bonne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ramassés dans les choses. C'est succinct. Ce que j'ai apprécié dedans, c'est court et ça nous a permis de vite nous libérer pour vaquer à autre chose.